Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de NanoLabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo assez simple pour les tutos de base, on va dire, mais qu'on m'a demandé quand même, c'est comment tout simplement ouvrir le deck et vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, parce qu'il y a des personnes qui osent pas ouvrir leur deck, hein, savoir ce qu'il y a dedans pour une simple réparation. En fait, c'est assez simple. C'est même très simple pour dire. Donc, pour ouvrir votre deck, vous allez avoir besoin en fait de clés étoiles parce que les vis qui sont sur le deck sont en étoile. Je sais pas si vous allez y voir avec la lumière. Une forme d'étoile. Donc pour ce genre de vis, on utilise des clés qui ont des formes d'étoiles. Donc là, je vous en montre une grosse pour bien que vous voyez. Pour notre deck, c'est ce qu'on appelle une T10. Donc si on prend la T10, elle va parfaitement dedans et elle permet de dévisser les vis. Donc il faut savoir que j'ai des fois les têtes de vis peuvent être abîmées. Donc, on peut passer sur une T8 pour commencer de les défaire. Parce que la T10 ne rentre plus dedans parce que ça a été frotté. Parce que le deck, mine de rien, donc vous pouvez voir, prend des coups. Et les têtes de vis s'abîment. Si vous n'avez pas de clé étoile, il y a une petite astuce. Prenez des clés hexagonales. Les clés Torx, et si vous prenez une 2, normalement elle va dedans et elle permet aussi de dévisser simplement les clés, les vis en forme d'étoile. Donc si la tête n'est pas abîmée, la clé 2 fera largement l'affaire. Donc pour ouvrir ce deck, et bah, tout simplement, déjà on défait toutes les vis. On les met de côté. Et on va découvrir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc moi sur cette trottinette, il y a deux vis qui ne sont pas d'origine, qui avaient dû être perdues ou trop abîmées. Donc c'est des vis tête plate. Hop. Donc vous, normalement, si elle n'a jamais été ouverte, ça sera que des vis en tête étoile. Voilà. Et une fois on a tout dévissé, tout simplement la petite partie plastique s'enlève. Pouvez voir, il y a un petit joint sur le côté. Donc, et on a accès à tous les composants d'une trottinette. Donc la batterie, le contrôleur. C'est les deux seules choses qu'on a dans le deck en fait. Une batterie et un contrôleur. Sur ce contrôleur, on a les phases du moteur, les capteurs Hall du moteur, l'écran, la batterie bien sûr qui se branche dessus, et le BMS de la batterie qui permet de dire au contrôleur que votre batterie est en bonne santé. Donc voilà, pour cette vidéo, on va se laisser ici.
On a vu, c'était juste une vidéo pour vous montrer comment ouvrir le deck, comme quoi il n'y a rien de sorcier. Hein. Pour refermer, bien sûr, c'est opération inverse. On reprend la partie plastique. On fait attention qu'il n'y ait pas de câble qui pourrait se bloquer dans le cache deck. Alors moi, c'est une trottinette qui a déjà été bricolée. Vous n'aurez pas autant de mou de câble dedans d'origine. Vous remettez bien le plastique. Vous remettez quelques vis comme ça à la main pour être sûr que tout soit centré. Et après on revisse. Alors par contre quand on revisse pas trop fort. Parce que c'est quand même des vis qui sont fragiles. Donc une fois que le plastique est bien plaqué, ça va plaquer de joie, c'est pas la peine de visser plus. Le top, comme à chaque fois, hein, c'est si vous revissez, vous mettez une toute petite goutte de Loctite et vous êtes sûr que votre vis ne tombera pas. Donc voilà, ce coup-ci, pour cette vidéo, on va se laisser ici. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos, à me lâcher un petit pouce en l'air, à commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.